Bonjour tout le monde, je vous présente une recette de cake au yaourt. Pour cela, il vous faudra 3 pots de farine, 2 pots de sucre, 1 pot de yaourt nature, 1 demi-pot d'huile de tournesol, 1 sachet de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique et 3 œufs. On commence par vider le pot de yaourt dans un coup de pelle. Ne jetez pas le pot, c'est votre unité de mesure. On commence par rajouter 3 pots de farine. Après, on rajoute les 2 pots de sucre. Le demi-pot d'huile. Et puis on rajoute les 3 œufs. On va rajouter le sachet de levure chimique. Et après, le sachet de sucre vanillé. Ce gâteau est une recette rapide et simple, qui peut être déclinée à l'infini. On mélange. On continue de mélanger. Et voilà, nous avons une pâte homogène et lisse. C'est à ce moment-là que vous pouvez décider de rajouter un topping. Moi, ici, j'ai décidé de rajouter des pépites aux 3 chocolats. Mais vous pouvez rajouter des pommes ou des pommes cannelle ou bien le manger nature. C'est aussi très bon. Une recette qui plaira beaucoup à vos enfants ou même aux adultes. On verse le tout dans un moule qui peut aller au four. Ici, j'ai préféré un moule en silicone, ça facilite le démoulage. On enfourne à 180 degrés pour 45 minutes. Mais surveillez votre cuisson parce que le temps peut varier en fonction de votre four. Et voilà le résultat, un gâteau prêt et savoureux. Laissez-le bien refroidir avant de le démouler. Je vous laisse avec le visuel. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À la semaine prochaine. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bye bye!